wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flop. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuose et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement regarder un petit peu les problèmes que vous rencontrez sur GTA Online. Alors j'avais déjà fait le premier épisode au mois de janvier. On va dire que le deuxième épisode sort un petit peu trop tard. Et je vais revenir un petit peu sur les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo, disant que je reprenais le concept d'un youtubeur américain. Donc oui, je me suis un petit peu inspiré de sa série pour la refaire version moi et version française, car peut-être que vous regardez les Américains, mais d'autres personnes ne le font pas. Donc voilà, c'était un petit peu la petite parenthèse. Et aujourd'hui, au programme, pas mal de gros bugs sur GTA Online, comme par exemple cette photo que Lilian nous a envoyée, où dans Lamination, une voiture de police a réussi à rentrer. Alors je sais très bien qu'il est possible de faire rentrer des voitures dans Lamination, donc à ce moment-là, aucun problème. Une voiture de police, je sais pas trop si ça rentre, mais en plus qu'elle soit retournée et à l'horizontale comme là, je crois que c'est limite impossible. Alors soit le mec a modé et il est donc du coup par conséquent sur PC, ou tout simplement que c'est un gros bug et que la police a essayé de rentrer dans Lamination et ça a complètement planté. Nous retrouvons maintenant Mi-Anox sur son yacht et qui retrouve tout simplement son bateau en train de voler. Donc on peut retrouver aussi le même bateau juste en dessous. Donc son bateau s'est dupliqué et en même temps il est en lévitation. Je sais pas du tout s'il va réussir à l'atteindre, mais en tout cas c'est vraiment what the fuck. Nous retrouvons maintenant Gwen Dal H qui testait une petite course sur le Rockstar, sur l'éditeur de Rockstar qui crée une course. Il voulait la tester et jusqu'au moment où une personne a apparu derrière sa moto en mode je suis debout, no problème et je m'accroche à ta moto. C'était un bug qui existait déjà dans le passé sur GTA Online, un bug qui était vraiment hallucinant. En tout cas c'est des bugs qui arrivent. Nous retrouvons encore une nouvelle fois les liens qui se retrouvent sur GTA Online, mais cette fois-ci où il y a eu vraiment un gros bug, déjà par le fait qu'il y ait eu un gros carambolage entre les civils. On peut apercevoir qu'il y a un petit peu des morts partout, des traces de freinage et tout, mais le plus gros c'est quand même que la remorque est rentrée dans le sol. Elle est dans le sol quoi, c'est pas aller sur le sol, c'est pas aller retourner, c'est vraiment dans le sol. Et on peut apercevoir qu'il est bel et bien sur PS4, étant donné qu'il y a écrit en haut à gauche qu'il est impossible d'effectuer cette opération, le jeu n'est actuellement pas enregistré. Donc voilà. Donc on avait aussi retrouvé tout à l'heure sa petite photo de Lilian avec la voiture de police dans Lamination. Donc on peut se dire que ce n'est pas un mod, mais c'est bien sûr PS4. Donc c'est vraiment what the fuck. Nous retrouvons maintenant Hugo Delcourt qui a réussi à faire un truc assez chelou avec sa voiture dans le solo à la base militaire, il me semble, où il a réussi à poser sa voiture juste sur le grillage de la base militaire. Alors un gros GG à toi, car déjà pour que la voiture tienne il faut un putain de karma de ouf. En plus pour qu'elle puisse atterrir pile à cet endroit là, alors là je t'en parle même pas. Et en plus pour que tu puisses sortir de la voiture, bah alors là je t'en parle même pas. En tout cas un gros GG à toi. Maintenant nous retrouvons Falco eSport qui est à côté de la fête foraine. Il était tranquillement en train de marcher et d'un seul coup il a vu qu'un BMX était tout simplement garé dans le photomaton. Je sais pas du tout comment ce vélo s'est retrouvé là-dedans. C'est vraiment bizarre et je sais même pas, ça n'a aucun sens en réalité. Tout ça n'a aucun sens. Nous retrouvons maintenant Nexus qui a retrouvé la bavette de sa moto qui était restée accrochée dans le sol. Du coup ça fait que sa moto reste à la verticale. Gravité et GTA 5, ça ne va pas du tout ensemble, parce que techniquement déjà la moto ne peut pas rester à la verticale comme ça. Et après on va se dire que c'est GTA 5, donc il faut quand même des bugs pour qu'on puisse rigoler tous ensemble. En tout cas c'est vraiment bizarre. Et je pense que si tu as tiré dessus ou que les voitures l'ont touché, je pense même que la moto est tombée. Alors si elle n'est pas tombée, là je pense qu'il faut que tu partes et que tu recommandes ta voiture. Nous retrouvons maintenant une autre personne qui a trouvé malheureusement un parachute dans son garage. Alors le parachute,
chute, ne bougeant pas, ne tombant pas. Donc déjà encore une nouvelle fois un gros bug de gravité, parce que techniquement le parachute devrait s'écrouler sur le sol. Mais la grosse question, c'est comment le parachute est arrivé là quand même, parce que techniquement déjà on peut pas utiliser un parachute dans son garage, car il faut quand même de l'altitude. Je pense plutôt que c'est une personne qui a Walbrecht sous l'appart à 400 000 ou même un autre appartement sous la map, et du coup son parachute s'est un petit peu perdu dans Los Santos et il s'est retrouvé dans cet appartement. En tout cas, très très beau cliché. Maintenant nous retrouvons une photo que vous avez déjà tous sûrement vue. Je l'ai retrouvée sur Google Images tout à l'heure et je me suis dit que ça pourrait vraiment être pas mal de vous la montrer. Donc on voit deux policiers à droite et une personne qui est en train de boire un jus de fruits ou même du coca. La personne va tout simplement jeter son gobelet au sol. Les flics vont le voir, ils vont voir que le gobelet a été jeté au sol, c'est de la pollution, et le mec va se retrouver avec 4 étoiles au cul, avec un hélicoptère qu'il pourchasse, le FBI, les CRS, enfin bref toute la clique. Et bon, je trouve que c'était vraiment super drôle, vision, façon de voir, voilà, c'est quand même un petit peu réaliste. Dans GTA vous faites n'importe quoi et vous avez bien évidemment les flics. Nous retrouvons maintenant une personne qui s'est retrouvée suspendue au dodo par ses pieds. Donc je sais pas comment il est arrivé dans cette position, car l'avion est déjà en train de décoller, donc ça veut dire qu'il n'était pas dans l'avion, parce que sinon l'avion serait déjà en train de s'écraser et il serait déjà en train de redescendre. Alors comment a-t-il réussi à avoir cette position, ça je ne sais pas. En tout cas c'est vraiment super drôle. Nous allons finir avec cette photo complètement what the fuck, étant donné que des policiers qui se trouvaient à l'aéroport qui étaient en train de tirer sur une personne. Le seul problème c'est que si on regarde bien, ils n'ont aucune arme dans leurs mains, donc ça veut dire qu'ils sont en train de tirer dans le vide, et pourtant ils font quand même le geste. Et je sais pas du tout si des balles sont parties. Si des balles sont parties, ça veut dire que les armes sont invisibles, et ça veut dire que les flics sur GTA Online se mettent à glitcher. Il faudrait vraiment que je les questionne à ce sujet là, parce qu'avoir son arme invisible comme ça, c'est vraiment vraiment du lourd. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher vos avis dans l'espace commentaire et à m'envoyer toutes vos photos de bugs comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, avec le hashtag le problème GTA Online, Twitter ou Facebook ou même par mail. Vous n'hésitez vraiment pas, comme ça je pourrais vous faire un épisode très prochainement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, c'était Virtuose et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.